Les officiers, mais c'est nous ou l'ennemi. Alors c'est pas le moment de faire le difficile. Bon, eh bien, Churchill les aura eu, ces 30 000 hommes. Et quelques. Presque 300 000. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je reste. Pour les Français. Thank you.
n'est pas avec des évacuations qu'on gagne une guerre. Je peux pas regarder. Mais il faut malgré tout noter qu'il y a une victoire dans cette délivrance. Que notre joie d'avoir sauvé notre armée ne nous masque pas ceci. Ce qui s'est passé en France et en Belgique n'est rien moins qu'une colossale déroute militaire. Nous devons nous attendre à être frappés de nouveau subitement. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons dans les airs avec une force et une confiance croissantes. Nous défendrons notre île, quel que soit le prix à payer. Quoi ? Nous défendrons notre île, quel que soit le prix à payer. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'aviation, nous nous battrons dans les champs, dans les rues, dans les montagnes et les collines. Jamais nous ne nous rendrons. Et si jamais notre île ou une grande partie de celle-ci venait à être asservie et affamée, alors notre empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, poursuivra la lutte jusqu'à ce que, quand Dieu le jugera bon, le nouveau monde mobilise ses forces afin de secourir et de libérer l'ancien.